Il y a des gens aux États-Unis qui m'ont dit, en recevant Elvis Kemayo, si tu ne lui fais pas chanter cette chanson-là. Laquelle? Tu la connais mieux que moi. Cameroun? Non. Maman? Tu l'as chantée aux États-Unis, les femmes pleuraient avec toi. C'est une... Encore les femmes. Tu connais la chanson, là? C'est une chanson qui me colle à la peau aujourd'hui. Et elle a été créée avec, en collaboration avec mon ami intime Tiaga Samuel. Qui est ici à Paris. Qui est à Paris, oui. Tiaga Samuel, un très grand compositeur. Elle est sortie en 1980. Et quand je la chante dans une salle, femme comme homme pleure. Et c'est une chanson nostalgique qui dit que moi, je suis parti d'Afrique pour l'Europe. J'arrive en Europe, je n'ai pas la possibilité de rentrer. À chaque fois, je promets à maman que non, les vacances prochaines, je suis un peu pris. La maman a tellement attendu qu'un jour, sur son lit d'hôpital, envoie un télégramme à son fils. Voilà, bon, comme tu n'as pas pu venir, au revoir. Je m'en vais, elle meurt. C'est fort. Elle meurt. Et c'est une réalité. Oui, oui, c'est la réalité, oui. Et voilà. Le gars m'a consolé. J'ai même voulu. J'ai prêté l'argent pour venir te voir, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Je voulais marcher à pied pour traverser l'eau, je ne pouvais pas marcher. Profitez de moi. Mais maman, tu sais combien tu m'es cher, tu sais comment tu es tout pour moi. Ouais, profitez de moi. C'est une chanson qui est sortie depuis 1943 ans. 43 ans, ça touche les gens. Ça touche tout le monde. C'est-à-dire, les gens pleurent et je pleure plus qu'eux. Et je la chante. Je t'explique quelque chose. Oui. Vous êtes deux dans ce registre-là. Toi et ton frère André Maritella. Il a aussi une chanson comme ça. Alors, en 2014, je le manage pour un spectacle à Libreville au Gabon, à la soirée des élites gabonais, des élites Kamoubandjoun du Gabon. Lorsqu'il se met à interpréter cette chanson-là, je vois des gens s'asseoir même le sol et se mettre à pleurer comme des enfants. Car dans cette chanson-là, il écrit après le décès de sa maman à lui. Oui. Et c'est toujours dans le même paradigme que le tien. Donc vous êtes deux à faire pleurer les gens au Cameroun ou dans sa diaspora. Et surtout dans la diaspora. Car il y avait des gens au Gabon qui avaient fait 20 ans sans mettre les pieds au Cameroun voisin. C'est ça. Ils ont perdu papa, maman, ils ne pouvaient plus... Tu comprends que tu chantes maman, il pleure. Tu chantes Gefesse, il pleure. Est-ce que tu penses que tu peux la pousser un petit peu? Hein? Tu peux la pousser tout maman. Mais mon élégance, mon ma bouche, tu fous cabalion. Et une chose, mon retour. Maman, quand on a la ou bien je t'aime, ou bien je t'aime. Maman, kunde maman, kunde maman. Avion t'aime, ou que l'amour. L'avion était tellement cher, c'est pour ça que tu n'as pas vu. Oui. C'est. Mamie, oh! C'est très très fort.